Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hard wrote the song, but I am the messenger. So call me on my do. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce que je vais vous faire ma wishlist de 2015. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes cadeaux de Noël de 2015 que j'aimerais avoir parce que souvent mes parents, ma famille me demandent « Bon, Océane, tu veux quoi pour Noël ?» Bah rien. Bah si, dis-nous, t'as quand même eu un bon trimestre. Bon d'accord, je vous laisse avec la vidéo. Donc question à mon papa, ma maman ou ma marraine ou je ne sais qui va regarder cette vidéo. Donc je sais de pas faire de conneries, d'être sage dans cette vidéo parce que sinon je vais me faire charrier pendant je ne sais pas combien de temps. Donc on va quand même rester normal, on va dire. Mais la première chose que j'aimerais avoir, parce qu'il y a un truc que ma mamie m'a toujours appris, à chaque fois que j'étais dans un magasin de jeux, je disais tout le temps je veux. Elle m'a dit un jour, on ne dit jamais je veux, on dit toujours j'aimerais. Non, du coup, maintenant j'emploie le verbe j'aimerais. Donc j'aimerais beaucoup avoir le nouveau single de Selena Gomez, qui s'appelle Revival et qui veut dire renaître. C'est une femme que je sais pas si vous savez mais que j'admire énormément, qui est mon modèle, que je suis depuis très longtemps. C'est une chanteuse que voilà, j'adore et c'est un peu une sorte de mannequin. Je la suis depuis très longtemps, j'adore cette femme. Je la suivais déjà par rapport à avant dans les sorciers de Waverly Place. Donc ça fait déjà un petit bout de temps. Je sais pas si vous avez remarqué dans ma chambre, mais au niveau de là, j'ai plein de posters d'elle avec Justin Bieber, etc. Je suis fan de ces deux personnes-là, ainsi que Nekfeu sont mes trois favoris. Donc sans ça, je ne peux pas vivre. Non, mais sincèrement, je suis trop fan de ces trois personnes-là. J'aimerais beaucoup avoir aussi le nouveau single de Justin Bieber qui est le Purpose, que voilà, je suis complètement fan. J'ai entendu les musiques avec Sorry, What Do You Mean, et il y a aussi I Show You et plein de trucs comme ça, des musiques, et j'étais je le veux. Donc je dis pas je le veux, j'aimerais beaucoup l'avoir, voilà, parce que complètement, j'en suis complètement fan. Ensuite j'aimerais beaucoup avoir des t-shirts un pour mon cœur, donc il n'existe que deux là. J'aimerais beaucoup avoir celui-là où il y a un tweet avec ce qu'il écrit, donc un tweet de lui. Donc j'aimerais beaucoup avoir parce que je suis complètement fan d'un panda moqueur, c'est mon youtubeur préféré et personnellement je suis complètement fan, je viens de le dire mais ce n'est pas grave, mais j'en suis complètement dingue de ce mec. Déjà d'une, il est beau gosse, il fait rire et voilà, quoi de mieux. Donc j'aimerais beaucoup avoir parce que voilà, vous... Je sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle collection dans Jeff Phoenix, mais elle a fait une nouvelle collection sur le site RAD, je sais pas du tout. En tout cas c'est un site de vêtements que j'aime beaucoup et énormément, qui sont pas très chers, mais que moi je personnellement, mes parents ne veulent pas acheter sur internet, donc du coup je peux pas me procurer des vêtements sur internet. Mais c'est quand même des vêtements que j'aime beaucoup parce que c'est plutôt mon style, donc c'est plutôt un style... de street, enfin je sais pas, tout dépend aussi de la mode qui se passe en ce moment sur internet. À un moment il y a eu une petite mode aussi des cactus ou des trucs comme ça, et en fait ils reprennent les petits motifs qui sont assez à la mode, qu'ils remettent sur les vêtements. Donc il y a beaucoup de t-shirts de sweat à capuche, enfin plein de trucs comme ça. C'est en fonction aussi de l'hiver, de l'été, etc. Ils font aussi des débardeurs, donc ça c'est plutôt cool. Personnellement je suis complètement fan de la collection d'Angel Phoenix, donc avec les petits sushis et tout, je trouve ça trop mignon, et aussi avec son petit carlin aussi qu'on peut aussi voir sur les nombreux vêtements. Il existe aussi sous forme de coque et il y a plein de choses, je crois il y a aussi des tasses, etc. et même des bonnets. Le bonnet je crois que ça reste la chose préférée que j'aimerais. J'aime beaucoup avoir une GoPro, j'en ai vu une chez Carrefour qui n'est pas très chère parce que je ne peux pas me procurer une GoPro, la marque GoPro, voilà, tout simplement parce que c'est excessivement cher je trouve pour une petite caméra. Mais bon, après c'est quand même une caméra qui est quand même efficace parce qu'elle va quand même sous l'eau et qui me fait une bonne qualité HD. Mais bon, moi il y en a une que j'ai trouvée chez Carrefour qui n'est pas super chère, qui vaut aux alentours de 40 €, et moi je me dis que c'est complètement le prix est quand même assez raisonnable.
J'aimerais beaucoup avoir l'iPhone 5S parce que c'est quand même un portable voilà, de la marque Apple. J'ai pas eu la chance de pouvoir tester les produits Apple, mais j'aimerais en tout cas tester, voir comment ça se passe et comment on utilise, parce que je vois souvent des personnes, enfin même plein de personnes s'en procurer, et quand je vois la qualité photo c'est vraiment voilà, magnifique hein. Et après je sais pas, après tout dépend des iPhones franchement, mais après l'iPhone 5S c'est quand même super sympa au niveau du design arrière, c'est quand même, il y a argenté, gold et noir aussi, donc moi j'aimerais beaucoup l'avoir en or parce que c'est quand même une couleur que j'adore, donc c'est un peu ma couleur préférée. Personnellement j'aimerais bien avoir un autre skate parce que celui que j'ai c'est pour les 6 ans et plus, et quand je l'avais acheté l'année dernière ou il y a même peut-être 2 ans, je sais même plus, je l'avais pris en 6 ans et plus, je n'avais pas regardé l'âge, donc c'est quand même chaud parce que depuis plus d'un an je teste le ollie et je n'y arrive même pas, alors que je comprends que maintenant que la planche n'est juste pas adaptée à mon âge, donc voilà, même à mon poids. Je sais pas si vous comprenez, mais moi je viens de me rendre compte que j'étais complètement débile par rapport à ça. Donc c'est trop dommage, mais j'aimerais bien me procurer un skate girl, parce que la marque girl, parce que j'aime bien. Oui, aussi Jart. J'aimerais aussi avoir une petite enceinte qui peut se brancher au téléphone, parce que il y a quelques fois je peux pas trop mettre brancher mon son sur mon ordinateur, sachant que je suis dans un appart, c'est juste pas top parce que les voisins gueulent, hein, parce que sinon je vais mettre full for la musique, hein, voilà. Et voilà, je me dis une petite enceinte, c'est pas où je peux mettre un peu plus fort, vous voyez, mais sachant que moi ça cogne sur les murs, du coup ça fait du bruit, donc vaut mieux avoir une petite enceinte. Même si ce serait une petite ou une grande, je m'en fous, une petite, ça me convient tout autant qu'après si le son est bon, tant mieux, c'est ce que je veux. J'aimerais beaucoup avoir le deuxième album de Nekfeu, donc c'est le deuxième, donc voilà. J'ai déjà l'album Feu de Nekfeu, et il y en a un autre qui est ressorti, qui a une couverture bleue et que j'aimerais beaucoup avoir parce que voilà, je suis fan de Nekfeu, je suis fan de ses chansons, donc voilà, j'aimerais beaucoup l'avoir. Ensuite, parlons chaussures, j'aimerais beaucoup avoir, depuis très longtemps que j'aimerais beaucoup les avoir, c'est les Nike Air Force One vertes. Oh là là, je les ai trouvées sur internet, elles sont magnifiques et pour le prix ça va, c'est pas trop excessivement cher, malgré que quand même les Nike Air Force One ça vaut pratiquement 100€, et là je crois que j'ai trouvé aux alentours de 70€ si je ne me trompe pas, et si je me trompe je vous marquerai ça sur l'écran, mais en tout cas c'est une couleur que voilà, qui change un peu l'ordinaire, parce que les Nike Air Force bleues blanches, elles sont tout le temps, enfin tout le monde en met, même si c'est quand même assez beau, mais voilà, moi personnellement je préfère les vertes. Beaucoup avoir aussi les Adidas, les superstars d'Adidas, parce que je les trouve sublimes, mais vraiment canon. Le seul petit problème c'est que tout le monde les a, mais bon, voilà voilà. Après c'est vraiment dommage que ça soit excessivement cher. Depuis toute petite j'ai toujours été fan des DS, et c'est vrai que pour le moment j'avais toujours la petite DS, la première, je sais pas si vous voyez. Et là c'est comment, à ma fête au mois de septembre, ma famille m'a offert la DS 3D que je voulais avoir depuis un petit moment. Et du coup j'aimerais beaucoup avoir le jeu Tomodachi Life, parce que je le vois souvent à la télé et moi j'aimerais beaucoup l'avoir. Ensuite, petit plus dans ma wishlist, j'aimerais beaucoup avoir la nouvelle BD, la première BD de Cyprien, qui est Roger et ses humains, il me semble. J'aimerais beaucoup l'avoir parce que j'aime beaucoup lire, et c'est vrai que Cyprien c'est quand même un youtubeur que j'apprécie beaucoup, qui voilà, fait des super vidéos, et donc j'aimerais beaucoup avoir sa BD. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous commandez pour Noël, et si vous avez fait une vidéo n'hésitez pas à mettre le lien dans les commentaires. Voilà, j'allais bugger. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo sur ma chaîne, donc ça se passe aussi dans les commentaires. Vous pouvez aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. qui sont dans la barre d'infos. Pas non plus à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Bah si vous l'avez pas aimée, vous pouvez toujours laisser un pouce rouge, hein, c'est comme vous voulez. En tout cas, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao.